Bonjour à tous. Je suis Aline Marie-Christine Zomoubem. Bonjour tout le monde. Dimitri vous salue. Je suis humoriste et romancière. Je salue tous mes fans du monde entier et tous ceux qui me font l'amitié de me suivre. Je vais vous parler de la chance que j'ai d'avoir deux cultures. Je suis une jeune femme qui a la chance d'avoir deux cultures. Je vais vous en parler parce que c'est important. Parce que nous vivons dans un monde moderne où il faut communiquer. Je n'ai pas le même rapport avec l'intelligence comme certains ignorants camerounais avec l'ignorance. Comme certains Africains avec l'ignorance. Je répète, je n'ai pas les mêmes rapports avec l'intelligence comme certains Africains avec l'ignorance, en particulier certains Camerounais. Je suis la synthèse de deux cultures qui s'adorent. La synthèse de la culture européenne, la synthèse de la culture africaine. J'ai le bonheur et la chance de vivre dans ces deux mondes qui s'adorent. Et je prends le meilleur de chaque culture. Ça dépend. Il y en a qui prennent ce qui n'est pas bon. Moi, je prends ce qui est bon. Et c'est pour ça que je fais des bonnes synthèses. Il y aura des choses que je ferai que vous n'allez pas apprécier parce que vous êtes des ignorants. Parce qu'une femme intelligente découvre et choisit ce qui est meilleur pour montrer. Maintenant que je parle avec vous depuis un moment et les ignorants se sont infiltrés, il y a des choses que je ferai que les ignorants ne vont pas apprécier. Je ne m'occupe pas des ignorants. Je m'occupe des Africains éveillés qui ont la culture de réflexion, qui produisent la réflexion. Donc, je tenais à vous dire que, à travers la synthèse de mes deux cultures, je ferai toujours des choses qui vont plaire, que certains vont comprendre, les intellos. Ceux qui produisent la réflexion. Les ignorants ne comprendront rien. Et ce n'est pas mon problème. Parce que vous ne me payez pas pour produire la réflexion. Je le fais parce que je veux que les Africains évoluent. En particulier les femmes. Vous savez que les femmes sont restées longtemps dans les fourneaux et dans les lits. Parce que beaucoup d'Africains ont pensé et estimé que la femme n'est bonne que pour faire l'amour et les enfants. Alors que les femmes ont les mêmes aptitudes. Je dirais même mieux que certains hommes. Les femmes sont intelligentes. Si on leur donne les mêmes conditions de vie, elles sont intelligentes. Je ne vais pas vous refaire l'historique des femmes. Vous constatez aujourd'hui que beaucoup de femmes sont intelligentes. Moi, je suis plus intelligente que beaucoup d'hommes. C'est d'ailleurs pour ça que dans le milieu africain, je n'ai pas trouvé chaussures à mon pied parce qu'il y a beaucoup d'ignorants. Vous voulez toujours dominer les femmes, les prendre pour des esclaves, ce qui n'est plus possible au 21e siècle. Le monde évolue, l'horloge tourne. La femme n'est pas là pour accepter tout ce que l'homme fait, même les bêtises. La femme peut dire non. Et je fais partie des femmes qui savent dire non. Donc je vous disais que je suis la synthèse de deux cultures qui s'adorent, la culture européenne et la culture africaine. Et j'ai observé que beaucoup d'Africains peuvent l'ouvrir quand c'est la femme. Mais quand vous côtoyez les Européens, vous êtes incapable de dire ce que vous pensez. On le remarque à travers la France-Afrique Business. Les Africains n'ont pas de couilles. Vous ne pouvez pas parler devant les Européens. Ils vous dominent aller-retour. Ils prennent tout ce qu'ils veulent en Afrique. Et vous êtes là, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Mais si vous observez qu'une femme intelligente, c'est là où vous voulez montrer que vous avez des couilles. Vos couilles servent à quoi? Un homme qui a des couilles parle à un autre homme. Ceux qui viennent parler aux femmes, vous êtes des lâches et vous êtes des cons. Moi, je ne mâche pas les mots pour vous le dire. Moi, en Europe, je parle. Et ce que je dis est entendu. Vous venez parler sous mes vidéos. Vous êtes une bande d'abrutis. Malaxés au Mesep et au Kelen. Alors, des cons, moi, je ne parle pas aux cons. Donc, je ferai des choses qui ne vont pas vous plaire. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Vous n'avez qu'à faire des choses qui peuvent aussi plaire aux gens. Moi, j'ai déjà cette chance d'être écouté. Donc, le temps que vous perdez à venir sous mes vidéos, c'est le temps que vous pouvez prendre pour vous laver, récurer vos dents, votre corps, parce que sous mes vidéos, vous sentez mauvais. Je vais m'arrêter là parce que, voilà,
Je suis en train de faire une petite balade en amoureux. Parce que moi, je suis amoureuse. Et pour ceux qui ne sont pas amoureux, vous pouvez juste copier l'exemple. Listening. Choice the best. Choice the best. I love you. See you next time. Bye. Jimmy, please say bye. Bye. Okay, thank you.